Refaire ses fesses, en l'occurrence les rendre plus volumineuses, est la nouvelle tendance. Ces derniers mois, de nombreuses stars de télé-réalité, se trouvant trop plates, se sont lancées dans cette intervention, qui parfois peut amener à quelques complications. Jessica Thivenin, Marine Elimée, Astrid Nelsia, et bien d'autres. Mais il semblerait que d'autres soient tout simplement gâtés par la nature. C'est le cas de Kelly Vedovelli qui, après avoir été soupçonnée d'elle aussi être passée sur le billard, vient enfin de s'exprimer à ce sujet. Ce n'est plus un moment isolé, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste fait régulièrement parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mais depuis plusieurs semaines, ce sont surtout ses fesses qui occupent tweet des internautes. Le 18 mars dernier, et après une disparition récente de plusieurs jours de l'émission de Cyril Hanouna, et un popotin qui a, selon les internautes, grossi, nombreux sont ceux qui ont alors crié à la chirurgie esthétique sur Twitter, et n'ont pas hésité à la lyncher. Les fesses de Kelly dans hashtag TPMP, ce ne sont pas les mêmes fesses que sur ses photos Instagram. Mais en tout cas là ce soir, elle a un corps de ouf. Tu as refait tes fesses, ce n'est pas possible ? Restée sans réponse jusque-là, c'est lors d'une session de questions-réponses sur Instagram que la jolie blonde a répondu. « T'as refait tes fesses ?» a lancé un internaute. Ni une ni deux, Kelly Vedovelli a alors décidé de ne pas faire les choses à moitié, en dévoilant plusieurs photos de ses fesses. La flemme de chercher les années correspondantes, mais voici les photos qui répondent à cette question, étalées sur 6 ans. « Quand je grossis c'est du cou et du cul. » Voilà qui est plutôt clair. De quoi faire taire les rumeurs à ce sujet, et d'enfin pouvoir parler d'autre chose avec ses fans. À voir aussi, la rédaction à lire aussi les ce bloc ADS.